Alors, bonjour et bienvenue à nos portes ouvertes virtuelles. Donc, ces portes ouvertes ont pour objectif de présenter notre organisme ainsi que les différentes formations que nous dispensons. Cette présentation va se passer en deux parties. Dans un premier temps, donc, eh bien, toi, je vais vous présenter un petit peu notre structure. Et ensuite, dans une deuxième partie, je répondrai donc à toutes vos questions. Donc, concernant les questions, bah, je vous invite après, voilà, même durant la présentation, à les poser directement, à les laisser en commentaire. Et donc, j'ai ma collègue à côté qui me les transmettra et j'y répondrai. Et j'y répondrai donc juste après cette présentation. Donc là, je vous propose de commencer et je vais déjà commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Lucie Lenux, je suis une des fondatrices et responsable de Fauna Formation. Et Fauna Formation, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un centre de formation, un centre de formation, un organisme de formation, pardon, mais c'est surtout un institut de formation et de qualification professionnelle qui est spécialisé dans le domaine animalier. Il est situé à Carcassonne. On va changer la voilà. Donc, il est situé à Carcassonne et dans l'Aude, donc dans l'Aude et à Carcassonne. Et on est en partenariat avec un parc animalier qui est également situé sur Carcassonne. Et ce partenariat, du moins l'intérêt de ce partenariat, nous permet de réaliser la plupart de nos formations au sein de cette structure, ce qui permet d'allier à la fois le côté théorique et pratique d'une formation. Nous sommes référencés au Datadoc également, du moins notre organisme de formation est référencé au Datadoc, ce qui est un gage de qualité. Comme je vous l'ai dit, nous avons créé cet organisme en 2016, ce qui fait notre cinquième année d'existence. Et à l'heure actuelle, depuis 5 ans, nous avons formé plus de 400 élèves particuliers et professionnels. Donc, concernant ensuite nos formations, nous proposons deux types de formations, des formations de courte durée ou des formations de longue durée. Et l'accès à ces formations, eh bien, se fait pour tout le monde. Disons que ce sont des formations qui sont ouvertes à tous. La seule condition étant âgée de plus de 18 ans. Cependant, nous proposons également des formations qui ne sont à destination que des structures animalières de personnel qui sont déjà en poste. Mais je vais vous les détailler, donc, ben justement en suivant, puisque en rentrant dans les détails, vous allez voir que nous avons plus exactement donc, trois sortes de formations, des formations dites sur mesure, donc comme je vous l'ai dit, à destination de structures animalières. L'objectif de ces formations est de répondre à un ou plusieurs besoins spécifiques à une structure. Nous allons ensuite retrouver des formations de courte durée. Donc de courte durée, pourquoi? Parce que ce sont des formations qui varient de 1 à 3 jours. Elles sont ouvertes à tous. La seule condition, je vous l'ai cité un peu plus haut, c'est qu'il faut avoir plus de 18 ans, puisque ce sont des formations professionnelles pour adultes. Mais sinon, elles sont ouvertes à tous sur simple inscription. Et dans ces formations, dans ce type de formation de courte durée, vous allez retrouver une formation sur le bien-être animal, une formation sur l'incubation et l'élevage à la main, encore une autre formation sur l'animation et pédagogie dans les structures animalières, ou encore des formations liées à l'entraînement. Donc en parlant de formation liée à l'entraînement, justement, nous vous en proposons une en septembre, plus exactement du 20 au 22 septembre de cette année, et cette formation portera sur l'introduction aux techniques de l'entraînement médical. Elle sera menée par Cyrielle Siméon, qui est une intervenante de Fauna Formation. L'objectif de cette formation, eh bien, c'est de vous donner, de vous faire acquérir les bases théoriques de l'entraînement. C'est également de vous faire appréhender le vocabulaire spécifique à cette notion d'entraînement, ainsi que les méthodes d'entraînement positif. Également, l'objectif est de vous faire apprendre à utiliser un kicker, ou encore de comprendre quel est l'intérêt d'utiliser l'entraînement dans le cadre d'une profession qui est liée aux animaux. Donc voici pour les objectifs pédagogiques, mais toutefois, si vous souhaitez de plus amples informations liées à cette formation ou tout simplement vous inscrire, je vous invite à reprendre contact directement avec nous par mail à l'adresse que vous trouverez directement sur notre site. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir de plus amples informations sur cette formation. Ensuite, donc, après les formations courte durée, nous allons retrouver la formation longue durée. Il s'agit de la formation soigneur animalier entraîneur d'une durée de 10 mois. Mais avant de vous évoquer et de vous présenter cette formation, je souhaiterais faire avec vous un petit point sur le métier de soigneur et notamment l'accessibilité à ce métier. Alors, j'insiste là-dessus parce que généralement, bon nombre d'entre vous, donc si vous êtes là aujourd'hui, donc bon nombre d'entre vous sont passionnés par les animaux et souhaitent travailler avec eux.
ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de demandes pour, contrairement aux offres d'emploi. C'est un métier qui est donc très, très concurrentiel. C'est également un métier qui, depuis plusieurs années maintenant, commence à se professionnaliser. Et cette professionnalisation passe par de la formation, puisqu'on exige de plus en plus que les soignants soient formés. Mais attention, faire une formation ne vous garantit pas de trouver un travail juste après une formation, puisque nous, on est là pour vous donner les clés, les armes, afin de réussir dans ce métier. Mais après, bien évidemment, c'est à vous de montrer votre détermination, votre motivation et surtout les qualités et compétences professionnelles que vous aurez acquises durant votre formation. Par exemple, il y a peu, nous avons sondé nos anciens élèves, donc ceux qui ont suivi la formation de soigneur animalier entraîneur. Et donc sur 60 élèves, nous avons envoyé 60 questionnaires, mais nous en avons reçu 29 à l'heure actuelle. Et sur ces 29 personnes qui ont répondu, 7 aujourd'hui ont trouvé un poste en CDI, 9 sont en CDD et 5 continuent encore à faire des stages afin d'acquérir encore plus d'expérience. Donc voilà un petit peu pour l'accès au métier. Il faut en avoir conscience, c'est un métier qui est donc concurrentiel. Le métier de soigneur animalier exige également que nous soyons mobiles. Il faut être mobile car, vous vous en doutez, il n'y a pas de parcs zoologiques dans toutes les villes. Donc forcément, si vous êtes en recherche de stage ou en recherche d'emploi, il ne faut surtout pas à hésiter à multiplier les candidatures aux quatre coins de la France. Voilà, donc la mobilité, vraiment, c'est quelque chose de requis. Il faut ensuite acquérir de l'expérience. Donc nous, au sein de notre formation, vous allez voir, et ça je vous en parlerai après, mais vous allez voir que vous allez devoir réaliser déjà 3 stages d'une durée de 2 mois chacun, et donc dans 3 structures différentes, ce qui vous permet déjà, dans un premier temps, d'acquérir de l'expérience. Et ensuite, si vous souhaitez embrasser ce métier-là, devenir soigneur animalier, je vous invite fortement à réfléchir et à mûrir votre projet. Il faut vraiment qu'il soit ficelé et que vous sachiez dans quelle voie vous dirigez et surtout, qu'est-ce que c'est que le métier de soigneur animalier. Il faut savoir impérativement ce que c'est et à quoi ça correspond parce que des fois, on peut se faire de fausses idées. Donc, le métier de soigneur animalier, eh bien, avant tout, il va de soi que c'est un métier passion. Puisque si vous voulez faire ce métier, c'est qu'avant tout, vous êtes passionné par tout ce qui nous entoure, tout ce qui est écosystème, biodiversité et plus particulièrement le monde animal. Donc c'est avant tout un métier passion, bien évidemment. C'est également un métier de contact. Contact dans le sens que, certes, contact avec les animaux, mais surtout contact avec le public, avec les visiteurs. Vous êtes, vous, en contact vraiment avec les visiteurs. Vous êtes le mieux à même à présenter vos animaux, à véhiculer des idées, à transmettre des messages. Donc le métier de soigneur, il faut en avoir conscience, a un rôle d'animateur. C'est ensuite un métier physique. Métier physique dans le sens qu'il peut vous être amené aussi, par exemple, à porter des charges lourdes. C'est un métier aussi où on va retrouver des contraintes. Alors contraintes dans le sens organisation de travail ou rythme de travail. Puisque vous allez travailler donc, tout au long de l'année, l'été, l'hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud. Et également, c'est un métier qui ne connaît surtout pas les week-ends et qui ne connaît pas les jours fériés. Donc voilà un petit peu les différentes facettes et aspects, de manière non exhaustive bien évidemment, du métier de soigneur. Alors, pourquoi est-ce que nous, on a ajouté le terme d'entraîneur à notre formation? Eh bien, tout simplement parce que le soigneur, en plus de s'occuper des animaux, de donner à manger, de les nourrir, il est le garant du bien-être animal. C'est lui qui est là pour assurer le bien-être de ses animaux. Et le bien-être passe notamment par de l'entraînement, par l'entraînement. Et nous sommes convaincus que l'entraînement, et l'entraînement médical en l'occurrence, est l'avenir des parcs zoologiques. C'est pour cette raison que nous en avons fait, nous, dans le cadre de notre formation, une thématique à part entière. Nous sommes d'ailleurs la seule formation à vous proposer de l'entraînement sur une période longue de 3 mois, 3 mois pendant lesquels vous allez acquérir les bases théoriques et pratique, j'insiste bien sur le côté pratique de l'entraînement. Mais l'entraînement, qu'est-ce que c'est? Donc l'entraînement, je vous l'ai dit, ça permet de favoriser, d'assurer le bien-être animal, mais également favoriser tous les aspects sécuritaires à l'égard des animaux et à l'égard du soigneur. Et ça permet aussi au soigneur de gagner du temps dans son travail. L'entraînement est là pour permettre d'établir un lien de confiance entre le soigneur et son animal.
l'animal n'est plus dans l'évitement. Il va travailler en collaboration avec son soigneur quand, par exemple, il doit rentrer en loge ou encore être transféré dans une caisse ou encore, tout simplement, on doit réaliser auprès de l'animal des petits soins locaux. Donc là, l'animal, vraiment, il est en confiance et il va travailler de manière volontaire avec son soigneur. L'entraînement permet également d'observer ces animaux et d'assurer un suivi de l'état de santé de ces animaux. Donc c'est pour cette raison-là, ces raisons-là notamment, que nous avons souhaité donner une part entière à cette thématique dans le cadre de notre formation, d'où l'intitulé de notre formation, soigneur animalier, entraîneur. Donc notre formation, ensuite, concernant l'organisation, sachez que c'est une formation qui est de niveau 3, ce qui veut dire que le bac n'est pas exigé. La formation également, il n'y a pas de diplôme, elle n'est pas diplômante, puisque le diplôme de soigneur animalier n'existe pas. Ce qui veut dire qu'à la fin de la formation, nous vous délivrerons une attestation de suivi de formation, ainsi qu'une attestation de validation du niveau 1 de l'entraînement médical, en entraînement médical. Cette formation dure 1400 heures. Elle est répartie comme suit, à savoir 560 heures en centre et 840 heures en stage. Cette formation se base sur le référentiel européen de l'EASA. L'EASA, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit de l'Association européenne des parcs zoologiques et des aquariums. Notre formation se décompose alors en 4 blocs de compétences. Premier bloc de compétences, on va y retrouver les compétences dites générales, telles que la communication par exemple, pour vous citer qu'un exemple. On a ensuite retrouvé un deuxième bloc de compétences. Ce sont des compétences qui sont liées à la gestion des animaux. Dans ce bloc-là de compétences, nous allons retrouver des notions dites générales, telles que la classification du vivant, la biologie animale, et des notions beaucoup plus spécifiques, telles que la gestion en captivité des espèces, le transport, le bien-être animal, l'entraînement, la reproduction, l'alimentation, etc., etc. Ensuite, nous allons retrouver un troisième bloc de compétences qui, là, concerne la gestion du milieu. Et dans ce bloc de compétences, nous allons retrouver tout ce qui est conception d'enclos, entretien, sécurité, etc. Et enfin, le dernier et quatrième bloc de compétences concerne les rôles et le fonctionnement d'un parc zoologique. Ici, nous aborderons tout ce qui est lié aux aspects réglementaires et législatifs, et également, nous aborderons la notion d'inconservation. Donc voici pour les compétences liées à notre formation. Et donc justement, pour acquérir ces compétences, nous avons scindé notre formation en 3 parties. Alors déjà, avant de vous expliquer les parties, sachez que notre prochaine formation aura lieu en décembre, le 6 décembre 2021, jusqu'au 30 septembre 2022. Et donc, notre formation se décompose ainsi en 3 parties. Le premier mois de formation, qui est le mois de décembre, eh bien, il s'agit là d'une formation qui se déroule à distance. Pourquoi à distance? Nous l'avons souhaité ainsi. Tout simplement parce que durant ce mois, nous allons vous transmettre des supports pédagogiques qui portent sur des thématiques dites générales, telles que la classification du vivant, la biologie des mammifères, la biologie des reptiles, la biologie des oiseaux, par exemple. Et donc là, toutes ces thématiques-là vont vous demander un travail personnel. Vraiment, c'est à vous eh bien, d'apprendre et d'apprendre ces thématiques. Donc, à la fin de ce mois-ci, du mois de décembre, vous devez impérativement connaître les bases et connaître ces thématiques. Voilà. Donc là, c'est vraiment un mois qui vous demande du travail personnel. Ensuite, de janvier à mars, vous êtes avec nous, ensemble. Et là, durant cette période, nous allons aborder des thématiques beaucoup plus spécifiques, telles que la gestion des animaux en captivité, ou encore le transport, le bien-être, l'entraînement, par exemple, encore, pour ne citer que ça. Et toutes ces thématiques-là, bien spécifiques, vont être menées par des professionnels du milieu qui sont là pour partager leurs connaissances, mais surtout leur expérience. Durant ces 3 mois également, nous allons réaliser des sorties dans différentes structures animalières, parcs zoologiques de la région, afin d'aller à la rencontre des professionnels et d'échanger avec eux sur leur savoir-faire. Exemple d'une semaine type lorsque vous serez avec nous, eh bien, les matinées, nous allons être sur le terrain, c'est-à-dire que nous allons réaliser de nombreux ateliers pratiques au sein du parc animalier partenaire avec nous. Et l'après-midi, vous vous retrouverez en salle avec le professionnel
afin de réaliser un cours sur une thématique donnée. À la fin de la semaine, généralement, une sortie est programmée. Donc voilà l'exemple d'une semaine type de formation chez nous. Ensuite, d'avril à septembre, c'est la troisième et dernière partie de la formation. Durant ces 6 mois, vous allez devoir réaliser des stages, 3 stages professionnels d'une durée de 2 mois chacun. Et donc l'intérêt de réaliser ces stages, eh bien, tout simplement, c'est de vous faire découvrir différentes structures, différents fonctionnements, afin d'acquérir le maximum d'expérience. Je souhaiterais faire quand même avec vous un petit point sur les stages. En effet, durant la formation, nous vous demandons donc de réaliser 3 stages. Et pour cela, donc, il y a 2 options qui vont s'offrir à vous. La première, vous souhaitez vous débrouiller tout seul, postuler par vous-même. Il n'y a pas de problème. Voilà, dans ces cas-là, nous, on intervient absolument en rien. La deuxième possibilité que l'on vous offre, la deuxième option que l'on vous offre, c'est que nous allons vous aider dans la recherche de vos stages. Pour ça, nous travaillons en partenariat avec différentes structures animalières qui nous réservent des places pour nos stagiaires. Donc là, si vous êtes accepté en formation et après la signature du contrat de formation, nous, on va vous envoyer notre liste de partenaires. Sur cette liste, vous allez devoir établir les endroits où vous souhaiteriez réaliser vos stages. Suite à quoi, vous nous renvoyez votre liste et nous, à la suite de ça, nous allons donc soumettre vos candidatures aux structures que vous aurez choisies préalablement. Alors attention, par contre, il va de soi que toutes les structures d'accueil se réservent le droit de réaliser tout entretien qu'ils jugeront nécessaire. Ou encore, ils se réservent le droit d'accepter ou non la candidature. Et en cas de refus de votre candidature, eh bien, sachez que nous poursuivrons les démarches à vos côtés pour pouvoir obtenir tous les stages prévus dans votre formation. Par contre, sachez quand même toutefois que toute acceptation de votre part vaut engagement. Voilà, petit aparté. Donc voilà pour le focus sur les stages. Ensuite, concernant les évaluations, eh bien, sachez que durant toute la période de formation, vous allez être évalué. Évalué de différentes manières. Les thématiques théoriques seront évaluées, ainsi que tous les ateliers pratiques. Les évaluations porteront à la fois seront posées de manière écrite, ce sera soit des QCM, des questions ouvertes, etc. Et il peut y avoir aussi des évaluations dites, je veux dire, orales. Et notamment, durant ces 3 mois, de janvier à mars, vous allez devoir réaliser un projet collectif. Ce projet devra être présenté à la fin du mois de mars devant un jury de professionnels. Donc, voici pour le type d'évaluation écrite ou orale que vous allez pouvoir rencontrer. Mais également, vous allez être évalué sur les ateliers pratiques que vous allez réaliser ensemble. Et enfin, vous serez également évalué lors de vos stages, avec notamment une évaluation faite directement par vos référents de stage, vos tuteurs de stage. Voilà. Donc voilà, en gros, comment se passent les évaluations de la formation. Donc là, maintenant que je vous ai fait un petit peu le détail et le déroulé de la formation, donc si vous souhaitez intégrer cette formation, sachez toutefois qu'il y a des prérequis. Le premier des prérequis, c'est qu'il faut être majeur. Ça, je vous l'ai dit en début de présentation, mais je le répète ici. Il faut avoir plus de 18 ans au moment de la formation pour pouvoir prétendre intégrer la formation. Si possible, il faut être véhiculé. Pourquoi si possible? Parce que vous allez vous en rendre compte lors de vos stages, eh bien, les parcs zoologiques se situent généralement en périphérie des villes. Donc, il faut être quand même relativement autonome. Ensuite, la formation exige le fait que vous soyez équipé d'un accès à Internet et également équipé d'un ordinateur. Petit point sur les stages, là aussi. Parce que certaines formations donc, exigent la réalisation d'un stage. Nous, les stages ne font pas partie de nos prérequis. Cependant, nous ne pouvons que vous conseiller de réaliser au moins un stage si vous n'en avez jamais fait, afin de confirmer et de valider votre projet professionnel. La raison est très simple, c'est que des fois, on peut se tromper et on peut se faire une fausse réalité du métier. Donc, on ne peut vraiment que vous conseiller de faire un stage avant. Voilà. Donc ensuite, si vous souhaitez accéder à cette formation, donc les modalités. Donc c'est une formation qui se passe par candidature. C'est un dossier de candidature qui doit être retiré par mail à l'adresse qui est écrite ou que vous retrouverez sur notre site internet. Je vais quand même vous la donner. C'est contact@faunaformation.fr. Donc vous la retrouverez, je répète, sur notre site internet ou sur notre page Facebook également.
Et donc, ce dossier de candidature est à retirer par mail. Nous, on vous le renvoie, bien évidemment. Et ensuite, le dossier, une fois qu'il est rempli, complété avec les pièces justificatives demandées, il doit nous être retourné par voie postale au plus tard le 30 juillet de cette année, si vous souhaitez, bien évidemment, candidater pardon, à la session à venir. Ensuite, une fois que nous avons tous les dossiers, nous reprenons contact avec vous fin août afin de convenir de la suite et notamment des différents entretiens qui se dérouleront sur la première partie de septembre, c'est-à-dire du 6 au 17 septembre. Donc voilà en gros pour les modalités ensuite liées à la candidature. Question financement, donc le coût de cette formation, puisque bien évidemment elle a un coût, le coût total pédagogique s'élève à 5 990 euros. Donc c'est vraiment le coût total de la formation. Le financement, il y a trois types de financement qui peuvent vous être proposés. Donc la première, bien évidemment, c'est l'autofinancement. Un échéancier vous sera également proposé, à savoir que vous pourrez étaler vos paiements sur 6 fois, sur 6 mois. Ensuite, vous pouvez également faire une demande auprès de Pôle emploi ou de votre région pour obtenir une aide au financement. Donc là, si vous souhaitez de plus amples informations, je vous invite également donc, à en reprendre contact avec nous et nous vous aiguillerons dans les démarches à suivre. Voilà. Enfin, le dernier point que je souhaitais évoquer avec vous durant cette présentation, ça concerne le logement. Parce qu'effectivement, nous, dans le cadre de notre formation, quand vous êtes en centre avec vous, on vous propose des logements. Alors, disons que plus exactement, on vous met en lien avec des propriétaires de gîtes sur Carcassonne ou villages alentours et on vous propose ainsi de faire de la colocation avec les élèves de la formation. Le principe et l'intérêt de cette colocation, c'est que ça va vous réduire les coûts de logement. Ce n'est en rien une obligation, bien évidemment, vous pouvez décider de faire aussi des démarches individuelles de votre côté et rechercher un logement sur Carcassonne de votre côté. Libre à vous, mais sachez que nous avons la possibilité de vous mettre en lien avec des propriétaires de gîtes. Voilà. Donc nous, j'insiste bien, on ne sert que d'intermédiaire, si jamais. Donc ça, c'est vraiment quand vous êtes avec nous en centre. Par contre, en stage, nous, là, nous ne faisons aucune démarche parce que ce serait bien trop compliqué. Donc c'est à vous, bien sûr, d'avril à septembre, de trouver par la suite après des logements en fonction de vos différents lieux de stage. Donc voilà, je voulais faire ce petit point avec vous. Donc j'en ai fini avec cette présentation. J'espère que ça a été. Si vous avez des questions, ben écoutez, je vous invite à nous les poser là directement sur par commentaire. J'y répondrai. Je vais vous laisser peut-être 5 minutes. Voilà, je vais voir si on a quelques questions qui arrivent. Pas de questions pour l'instant. Donc pas de questions pour l'instant. Donc on va peut-être tout était très clair. Donc c'est parfait. Mais sinon voilà, je vous laisse 5 petites minutes si vous avez des questions et si tel n'est pas le cas et que les questions vous viennent après, ben écoutez, n'hésitez surtout pas à nous recontacter par mail que vous trouverez directement sur notre site internet ou à nous laisser un message également sur Facebook. Nous y répondons assez facilement. Donc, voilà. Alors, j'ai une question. Oui. Faut-il être en possession du CESS, entre parenthèses, BAC? Non. Non. C'est, après, vraiment, on est sur un niveau BAC. Donc, non. Après, il n'y a pas d'exigence de diplôme ou autre. Non, non. Voilà. Et j'ai juste un commentaire qui indique que c'était très clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va quand même encore patienter peut-être un petit peu. Après, si vous avez d'autres questions, vous pourrez toujours nous les poser. La vidéo va être mise en ligne. Hein. De toute façon, elle va être toujours visible. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire en commentaire. Voilà. Si vous souhaitez revoir la vidéo et que des questions vous viennent, vous pouvez tout à fait nous les mettre en commentaire. Très clair, voilà. Bah écoutez, alors si tel est le cas, on va se laisser ici. Moi, si, une question. Une question. Y a-t-il obligation de rémunération en stage? Bah, tout dépend en fait la période et la durée de votre stage. Donc les stages de 2 mois, il n'y a strictement aucune obligation de rémunération de la part de la structure d'accueil. Ce sont des stages de longue durée. Qui dépasse 2 mois, où là, la structure d'accueil a obligation, effectivement, de vous rémunérer. Mais sinon, non, il n'y a aucune obligation. Les stages ne dépassant pas 8 semaines, il n'y a aucune obligation de rémunération. J'ai une autre question. Quel conseil donnez-vous concernant le BTSA? Alors ça, sur cette question-là, je vous invite plutôt à nous la poser directement par mail. Je
prendrai du temps pour vous répondre si vous le souhaitez. Donc voilà, reformulez votre question par mail et je vous y répondrai. Quel est le taux d'embauche à la sortie d'école? Mais après, comme je vous l'ai dit, voilà, donc nous on est sur 5 ans d'existence à peu près. Donc on a un retour sur nos élèves, donc sur la moitié de nos élèves qui ont suivi la formation. On est sur 29 qui ont répondu, on est sur 17 personnes qui sont en poste actuellement. Donc il faut, comme je vous l'ai dit, voilà, avoir conscience que c'est un milieu qui est difficile d'accès, qui est très concurrentiel. Donc c'est aussi ce que je ne vous ai pas dit, mais je vais vous le dire, c'est un milieu qui est très petit. Donc du coup, quand vous êtes en stage ou quand vous êtes en saison, voilà, eh bien c'est à vous de montrer votre valeur, vos compétences, parce que ben, il suffit après d'un coup de fil pour avoir des renseignements sur telle ou telle personne. Donc plus vous montrez vos compétences et plus vous avez de chances, bien évidemment, à intégrer ce milieu-là. Voilà. Alors on a une autre question qui est pertinente. Quel est le pourcentage d'accès à la formation et le nombre d'inscrits et nombre d'admis? Attendez, je vais reformuler, on va reformuler la question, excusez-moi. Le pourcentage d'accès à la formation et le nombre d'inscrits, le nombre d'admis. Le pourcentage, Ania, est-ce que... Alors, attends, ben, Ania, parce que là, c'est toi, les chiffres. Alors, après, tout dépend combien de dossiers de candidature on reçoit. Donc, on en reçoit en moyenne combien à peu près par an? Ça varie selon les années. On va être sur une moyenne de, allez, une moyenne de 50 dossiers par an pour 20 places à peu près. Voilà, 20 à 21 places grand maximum sur la formation. Et j'ai la question qui suit, qui est en raccord. Quels sont les critères de sélection? Alors, les critères de sélection, eh bien déjà, il y a le dossier de candidature qui rentre en compte. Donc, vous devez fournir un certain nombre d'éléments dans ce dossier de candidature. Ensuite, il y a un entretien qui va se réaliser suite à cet entretien et également des mises en situation qui vous sont proposées, donc de manière quand même téléphonique à distance. Et les critères de sélection, nous, ce qu'on regarde surtout, c'est bien évidemment votre détermination, votre motivation, le fait que votre projet professionnel soit bien défini, que vous sachiez où vous alliez, que vous connaissez bien, il faut bien connaître le métier, voilà. Donc, c'est vraiment ça, nous, nos critères de sélection. Et jusqu'à présent, on ne s'est pas trompé. Donc, voilà, c'est, je répète, c'est motivation, détermination, projet professionnel, clairement et mûrement réfléchi et bien déterminé. Et connaître, bien évidemment aussi, le milieu dans lequel vous allez vous engager. Alors ensuite, est-ce que l'on peut travailler à l'étranger avec cette formation? Alors, elle est, disons que c'est une attestation de suivi de formation que nous vous délivrons. Donc, ça prouve la réalisation effective d'une formation dans le domaine. Mais après, en fonction du pays dans lequel vous allez tomber, eh bien, les critères liés au métier ne correspondent pas forcément. Voilà. Donc, ce sont nous, en tout cas, des référencements européens sur lesquels notre formation se base. Donc, dans les pays européens, eh bien, il y a des possibilités. Après, étranger, je mets quand même un petit bémol là-dessus, parce que voilà, on n'a pas du tout, on n'a pas les mêmes critères, forcément les mêmes critères. Je n'ai plus d'autres questions. Eh bien, écoute, ça s'est enchaîné. Oui. Merci beaucoup. Ah, avec plaisir. Petite question. Pour une candidature, donc pour la rentrée 2022, quelle sera la date du dépôt du dossier? Sensiblement la même. Pour 2022. Rentrée 2022. Alors, autant vous dire qu'on n'a pas encore défini les dates, mais oui, c'est sensiblement les mêmes. Ce sera fin juillet de toute façon. La date, ouais, dernier délai, ce sera fin juillet. Voilà. Donc là, de toute façon, concernant la formation 2022, vous aurez à partir de septembre, novembre à peu près les nouvelles dates, voire même un peu plus tôt. Voilà. Est-ce que le jeune âge, 18 ans, peut être un frein pour la formation? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que c'est oui et non. La raison étant, c'est qu'à 18 ans, il est vrai, on n'a pas forcément travaillé auparavant, on sort de l'école, donc on est encore un petit peu l'idée d'une scolarité, voilà, on est encore un petit peu jeune dans sa tête, donc ça peut être un frein, ça je ne vous le cache pas. Mais des fois on a de bonnes surprises aussi parce que même à 18 ans, même si on a un jeune âge comme ça, on a reçu des personnes qui sont relativement matures et qui savent ce qu'elles veulent et où elles veulent aller. Donc voilà, ma réponse serait oui et non. Voilà. Alors, y aura-t-il un replay donc
Oui, la vidéo sera toujours visible depuis notre page Facebook, donc Fauna Formation. Y a-t-il une limite d'âge? Très bonne question. Alors, limite d'âge, ben, pas forcément, mais on essaie de faire des groupes, comment dire, cohérents. Donc, c'est vrai qu'on est sur des groupes plutôt jeunes, quoique l'année dernière, on était sur une moyenne âge de 26-27 ans. Bon, c'est pas très vieux. Bon, il est vrai que c'est pas très vieux. Mais après, voilà, en fonction de l'âge que vous avez, je vais pas vous poser la question de votre âge, mais voilà, déjà que c'est un métier qui est difficile d'accès. Donc, si c'est une reconversion professionnelle que vous souhaitez réaliser, si vous avez une cinquantaine d'années, donc malheureusement, voilà, pour trouver un poste derrière en tant que soigneur animalier, c'est quand même relativement difficile. Puis surtout, on a le physique aussi qui suit plus forcément beaucoup. Voilà, donc c'est vrai que c'est difficile. Nous, on n'a pas de limite d'âge, on va étudier absolument toutes les candidatures, mais voilà, faut avoir conscience. Après, on veut pas vous envoyer à l'abattoir. Voilà, il faut avoir conscience que là, si vous avez une cinquantaine d'années, vous vous rajoutez des difficultés supplémentaires pour accéder à ce travail-là. Voilà. L'attestation de suivi de formation délivrée permet-elle une meilleure ouverture à l'embauche dans les parcs? Mais disons que ça vous permet de justifier que vous avez réellement suivi une formation dans le domaine. Donc, oui, ça a un poids, bien évidemment, sur un CV. Donc, actuellement, on est sur une attestation de suivi de formation. Mais bon, d'ici quelques temps, et peu de temps j'espère, nous pourrons parler de certification professionnelle. Ensuite, vous dites travailler en partenariat avec certains endroits pour les stages. Lesquels? Des exemples, s'il vous plaît. Alors, je ne donnerai pas de nom à l'heure actuelle. Le parc animalier dans lequel nous travaillons réellement, là par contre je peux le citer, c'est le parc australien à Carcassonne. Donc ça nous permet effectivement, donc, de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de lier les aspects pratiques et théoriques. Mais après, concernant les autres parcs, je ne vais pas les citer, même si je pourrais les citer, mais vous les retrouverez en lien sur notre brochure et notre site internet. Voilà. Ensuite, j'ai un BTS Productions Animales. La différence entre les niveaux d'études ne pose pas problème? Mais justement, on essaie de faire des groupes de manière, voilà, des groupes cohérents. Ah, bonne question encore. Peut-on faire des stages à l'étranger pendant la formation? En Europe. Voilà, c'est en Europe, en Belgique, vous pouvez faire un stage. C'est tout à fait possible. On a déjà des stagiaires qui ont réalisé des stages en Europe ou en Suisse. Donc, c'est enfin, Suisse, pas trop Europe, ça sans dire. Mais voilà, si c'est sur le continent européen, c'est tout à fait envisageable. Quel conseil donneriez-vous pour réussir l'entretien à la formation? Je vous l'ai dit et je me répète. Alors, c'est de savoir où est-ce que vous allez, que votre projet professionnel soit réellement clair dans votre tête, que vous soyez motivé, déterminé. Voilà, c'est à peu près ce genre de conseil que je peux vous donner. Donc, réfléchissez réellement votre projet et sachez dans quel domaine vous vous aventurez et qu'est-ce qui vous attend. Voilà. En cas d'échec à un entretien, peut-on réessayer l'année d'après? Mais totalement, parce que je vous invite aussi, voilà, de ne pas vous fier à un échec, bien au contraire. Ça nous est arrivé de reprendre des candidats l'année d'après. Nous après, donc vraiment, je vous l'ai dit, mais je vous le répète, donc on étudie absolument toutes les candidatures, on les prend en entretien, et si jamais un candidat est refusé, nous l'appelons et nous donnons les raisons de notre refus. Donc voilà, nous lui donnons les raisons, ce qui fait que si vraiment il souhaite intégrer et devenir soigneur, il va prendre note des conseils, faire en sorte de s'améliorer et repostulera l'année prochaine. Et donc de ce fait, nous, ça nous est déjà arrivé de reprendre des stagiaires qui avaient déjà postulé. Je n'ai plus de questions. Bon, bien écoutez, j'espère que ça a été, que j'ai répondu vraiment du mieux que je pouvais à toutes vos questions. N'hésitez pas, voilà, je répète, à reposer vos questions via... Ah, s'il y en a encore, on ne s'arrête plus. Les trois stages sont obligatoires ou peut-on le réaliser dans un seul parc zoologique? Contrat de professionnalisation? Alors, contrat de professionnalisation, non, parce que nous n'en faisons pas. Nous ne faisons pas de contrat de professionnalisation. Par contre, effectivement, en fonction de la structure dans laquelle vous allez tomber, il se peut qu'on vous propose des stages de longue durée. Donc, ça peut rentrer dans le cadre d'une formation et de notre formation, bien évidemment. Donc, si tel est le cas, tant mieux pour vous. Après, l'intérêt de réaliser trois stages, si déjà vous n'en avez jamais fait, c'est de pouvoir, dans trois structures différentes, donc du coup, c'est de voir un fonctionnement différent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un conseil que je peux vous donner, mais si après l'opportunité se fait, eh bien, il faut saisir l'opportunité qui nous est donnée
et donc faire ce stage de longue durée. Alors, j'ai une question. Je suis arrivée un peu tard, désolée. Pardon. Avez-vous un exemple de prix donc, concernant le logement? Je viens de Belgique, donc très intéressant pour moi. Alors, au niveau des logements, le prix, pour lorsque vous êtes chez nous, hein, je pense que cette question, c'est lorsque… C'est de la colocation, peut-être. Ouais, pour la colocation. Mmh. Donc, du coup, le tarif le plus élevé, du moins le loyer le plus élevé, cette année était à 250 euros, ne semble charge comprise. Voilà, ou maximum peut-être 280 euros charge comprise. Par personne. Par personne, voilà. Pas de questions de dernière minute. Voilà, comme je le disais, vous pourrez toujours nous poser des questions sur, en commentaire sur la vidéo. Hein. On essaiera d'y répondre assez rapidement. Bon. Ben, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Alors, le logement en colocation peut-il être mixte? Alors, c'est une bonne question. On a longtemps débattu là-dessus, mais par simplicité et par confort, donc je ne fais pas de mixité dans les logements. Voilà, les filles avec les filles, les garçons avec les filles, et après pendant les trois mois, les garçons avec les garçons, pardon. Mais après, voilà, pendant les trois mois, autant vous dire qu'il y a un groupe qui se forme, donc bon, généralement les logements se mélangent, mais bon, ça ne nous regarde pas. Voilà. Pas d'autres questions. Bon, voilà. Allez, mais cette fois-ci, en tout cas, merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci. Merci beaucoup. On vous souhaite une très très bonne soirée. Si vous avez des questions, bien encore pareil, n'hésitez pas à nous recontacter directement sur en commentaire sur la page ou par mail. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Au revoir.